Bonjour Christophe, du coup on va bienvenue à tous ceux, vous nous entendez bien, il n'y a pas de souci. Juste si vous voulez nous mettre dans le chat, qu'il n'y a pas de problème Ils au le niveau font, de... Romain. Super, Ils le font. génial. Ils entendent bien. Tout est OK pour un certain nombre d'entre eux. Vous êtes pour le moment 136. Bienvenue à tous et bravo. J'ai Christophe, ouais. Va couper son petit téléphone. J'ai du coup, on va rapidement se présenter. Donc, moi, je suis Romain, je travaille à l'ADI, je suis conseiller en financement. Je m'occupe aussi de la formation, je deviens entrepreneur, formation de l'ADI. Je vais laisser Christophe se présenter. Merci Romain. Donc, nous allons co-animer ensemble cette matinée dédiée au financement. Je suis Christophe Tavenard, je travaille à l'agence locale Pôle emploi de Bordeaux-Nord et je suis enchanté d'animer avec l'ADI depuis quelques années maintenant cette thématique et j'espère que vous serez entièrement satisfait de cette prestation ce matin, bien sûr. Effectivement. On va du coup dérouler tranquillement. Il y a des gens de Bordeaux, il y a des gens d'Angoulême, il y a des gens de La Rochelle. Voilà, donc c'est chouette, de Niort, etc. On va attaquer. Donc c'est parti. La diapo, on va vite fait avoir au niveau du sommaire l'ADI et ses missions, le dispositif régional ENA, les aides de Pôle emploi pour créer son entreprise. Le microcrédit accompagné de l'ADI. Ils se sont lancés avec l'ADI. On fera un petit focus sur quelques portraits. La micro-assurance aussi, on en parlera. Et l'étude de votre demande et pour aller plus loin. Si c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour toi, Christophe? C'est parfait, Romain, c'est Allez, c'est parfait. parti. Bon, l'ADI, petite présentation de l'ADI, mais bon, pour ceux qui ont déjà du coup assisté au webinaire. Avant, ça va peut-être être une redite. L'ADI, l'émission de l'ADI, financer, accompagner, contribuer, donc financer les porteurs de projets d'entreprise et les personnes ayant des problématiques de mobilité qui n'ont pas accès au crédit bancaire, accompagner les entrepreneurs, pardon, avant, pendant et après la création de leur entreprise, afin que leur activité soit pérenne et contribue à l'amélioration de l'environnement institutionnel, du coup, de microcrédit, de la création d'entreprise et de l'insertion vers l'emploi. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. L'ADI propose du coup des financements adaptés, forcément. Alors de 300 à 12 000 euros, en fonction un peu du besoin, on peut aller jusqu'à 48 mois, il peut y avoir des différés de 3 mois. La garantie, ça peut être une personne de votre entourage, caution solidaire, pour la moitié du montant emprunté. Voilà, financement tout type de besoin, hein. S'il y a besoin d'achat de matériel, de stock, de trésorerie ou autre, ne pas hésiter. Et accès facilité à les aides complémentaires, prêts d'honneur aussi, primes locales, etc. et accompagnement adapté à toutes les étapes. En fait, on essaye de faire voilà, du sur-mesure. On essaye de faire du cas par cas, rentrer quand même dans des choses carrées, mais on essaye d'être au plus proche pour coller au mieux. Je vais juste faire une petite parenthèse. J'ai omis de le dire, à savoir que vous aurez accès au replay dans une dizaine de jours de cette visio-là qu'on est en train de faire. Donc, pas de panique, vous pourrez revoir la prestation, il n'y a pas de souci. Et on vous enverra juste après là, le support qu'on est en train de diffuser. Donc ça vous permettra derrière de pouvoir rechecker un peu les infos si elles passent un petit peu rapidement. Voilà. S'il y a des questions, ne pas hésiter. On va passer à la diapo suivante. J'ai une petite question. Vous ne faites que pour les micro-entreprises? Non. On fait tous les voilà, tout type de statut. Il n'y a pas que les micro-entrepreneurs. Après, entre 300 et 12 000 euros, c'est vrai qu'il y a très souvent des micro-entrepreneurs, mais il n'y a pas que ça. Donc, on peut aussi faire d'autres, aller sur d'autres statuts. Il n'y a pas de problème. Je vais passer sur la diapo d'après. On va faire un petit point sur ENA, entreprendre la région à vos côtés. Alors, la Nouvelle-Aquitaine, dispositif ENA, notre partenaire régional. Donc, en fait, sachez que vous avez la possibilité d'être accueilli, informé, orienté, accompagné et suivi après avoir créé votre activité par plusieurs partenaires. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à franchir la porte d'une structure comme l'ADI, comme d'autres.
ça peut être plein d'autres structures. Voilà, quand vous avez besoin d'informations, et après, on vous réorientera en interne en fonction d'où vous en êtes, hein, parce que ça peut arriver qu'on pense avoir bien préparé son projet, puis finalement, on se rend compte qu'il y a encore des choses, donc on va être un peu sur le maillon de la chaîne avant. Et inversement, des fois, on pense être à un endroit, puis finalement, on est tellement avancé qu'on est plutôt sur la fin. Donc voilà, donc il faut vraiment pas hésiter à être dans cette dynamique-là. Donc si vous êtes domicilié en région Nouvelle-Aquitaine, vous avez un projet de création de reprise d'entreprise, vous pouvez avoir des réunions collectives, des infos sur des dispositifs existants et vous serez orienté, comme je le disais, vers le bon interlocuteur. On se connaît tous, on est tous complémentaires et on est tous en capacité de vous réorienter en fonction du besoin. On peut aussi diagnostiquer et définir un plan d'action, élaborer votre plan d'affaires et rechercher, vous aider à rechercher des financements. Il y a des aides régionales qui existent, il y a pas mal de choses qui existent aussi. Et puis en phase 3, c'est le suivi post-création ou reprise, hein. Vous pouvez bénéficier d'un accompagnement ponctuel sur 3 ans minimum et qui peut s'étendre aussi en fonction. Voilà. Donc en fait, voilà, il y a ce dispositif-là. Il ne faut pas l'oublier. Il faut oser frapper aux portes. Et puis derrière, voilà, solliciter. Et puis on essaiera de vous accompagner le mieux possible pour que votre réussite soit aussi la nôtre, parce que c'est agréable de voir quand ça fonctionne aussi et quand ça vous permet d'aller de l'avant. Merci Romain. Si je peux, pour les auditeurs qui nous écoutent, hein, ils sont maintenant 188, le dispositif Entreprendre en Nouvelle-Aquitaine, la région à nos côtés, est le complément régional de la prestation Pôle emploi d'accompagnement que l'on appelle Active Créa Émergence, puisque Pôle emploi, par l'intermédiaire de ses prestataires, peuvent accompagner toutes les personnes au stade de l'idée, au stade de l'idée de création, hein, tout ce qui va avec. L'idée de création, il y a une prestation Pôle emploi, Active Créa Émergence, et Entreprendre en Nouvelle-Aquitaine peut compléter cette prestation parce que, bien évidemment, avoir une idée viabilisée ne nous dit pas comment s'immatriculer et quel choix de statut choisir. Donc, les auditeurs qui sont intéressés peuvent retrouver également la prestation Active Créa Émergence et s'auto-prescrire cette prestation via leur espace personnel Internet, Romain, via leur espace personnel Internet, et c'est l'onglet « Mes services à la carte hein. » Donc, Super, Active Créa merci. Émergence et Entreprendre en Nouvelle-Aquitaine, la région à vos côtés, parce que, en tant qu'ADI, vous intervenez dans cet espace-là avec le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Effectivement. Il y a une petite information. Il y avait eu deux questions. Donc, l'accompagnement se fait sous quelles conditions, hormis la domiciliation? Alors, franchissez la porte d'une structure et c'est la structure qui aura un peu ses conditions d'accompagnement. Chaque structure a un petit peu, entre guillemets, ses critères et puis entre une offre de service qui va correspondre en fonction de l'étape où vous êtes. Donc, ça va être un peu en fonction d'où vous en êtes. Donc, en fait, je pense que le mieux, si vous habitez en Nouvelle-Aquitaine, si vous avez le projet de créer ou de reprendre, c'est de franchir la porte d'une structure qui sera en capacité vraiment de vous accueillir et de faire un point. Je pense que c'est hyper important. Comme ça, répondre à la volée, c'est toujours difficile, surtout qu'il faut se poser, faire un petit état des lieux et puis avancer. Et puis des fois, comme le disait Christophe tout à l'heure, avec le dispositif, par exemple, Active Créa, des fois, on pense être sur le maillon un peu de la création dans le projet. Finalement, on n'a pas encore assez travaillé l'idée, donc on va revenir un petit peu en arrière pour bien redéfinir l'idée, bien la retravailler un petit peu. Donc voilà, la domiciliation, c'est important. Mais après, il y a les critères de chaque structure. Mais normalement, tout est fait pour que le projet soit fluide et qu'il y ait une complémentarité qui va faire que voilà, on va avancer. Après, sachez qu'entre partenaires, on se connaît tous. Donc voilà, donc on a l'habitude de travailler tous ensemble, donc il n'y a pas de problème. Il y avait cette aide ne se fait plus une fois que l'auto-entreprise a été créée. Alors, ça dépend de l'aide, ça dépend de l'accompagnement. Là, c'est pareil, hein. Il faut vraiment se poser. Et effectivement, il y a une réponse qui a été apportée. Nous accompagnons également dans le développement de votre entreprise. Donc ça, c'est au niveau de l'ADI. On accompagne effectivement s'il y a besoin d'un développement. Donc on peut être présent.
On va passer à la diapo d'après, si tu es d'accord, Christophe. Bien sûr, Romain, bien sûr. Il n'y a pas pour le moment de questions très particulières. Par exemple, on nous demande est-ce qu'il y a des agences à Die dans les Landes. Alexandra, qui administre le chat, va vous répondre à tous les auditeurs sur ce genre de questions-là, bien évidemment. Vous pouvez suivre dans le chat. Romain, je te laisse la parole sur cette diapositive-là. Sur cette diapo. Ok, donc 2/3 des créateurs d'entreprise Aquitaine ont démarré avec moins de 10 000 euros. Effectivement, il y a davantage de petits projets en Aquitaine qu'en France. Donc, on se rend compte que finalement, il n'y a pas besoin des fois d'énormément, d'avoir un plan de financement très élevé pour se lancer. Voilà, après, c'est toujours pareil, hein, il faut ajuster, il faut prendre le temps de se poser. Donc là, c'était juste à titre indicatif pour vous montrer que il n'y a pas, ça dépend du projet, de la taille du projet forcément, mais voilà, en Aquitaine, on est sur des projets relativement un peu impactants financièrement, on va dire, par rapport à la moyenne en France. Voilà. On va poursuivre cette diapo, ça reste des données, donc voilà, ça permet d'avancer. La création d'entreprise en Nouvelle-Aquitaine, chiffre d'août 2021, donc la création d'entreprise en Nouvelle-Aquitaine en 2021, elle cumule depuis le début de l'année. Donc là, quelques chiffres aussi, pareil, hein, cumul depuis janvier, 56 664 créations d'entreprises. Donc on constate une forte augmentation. Là, alors là, c'est en 2021. On aura les autres bientôt. Mais voilà, la création d'entreprise est encore et toujours dans l'air du temps et ne fait que se développer, qu'on continue à évoluer. Et ce qui est plutôt chouette. Voilà, ce qui est plutôt chouette, puisque ça veut dire que les personnes ont envie de créer, ont envie aussi. Alors, il y a eu l'effet post-Covid où les gens ont souhaité se mettre dans une dynamique de création, faire quelque chose qui leur plaisait. Et ça, c'est plutôt chouette. Et nous, on accompagne les partenaires et nous l'a dit tous les créateurs d'entreprises que l'on peut accompagner. Voilà. Est-ce que quelque chose. C'est exact. Alors, certains auditeurs nous disent à quoi on doit ça. Alors, l'effet Covid a été, je dirais, le fait générateur de cette tendance, de cette volonté de créer, de reprendre une nouvelle vie par rapport à des qualités et à des compétences. Et Romain, je peux te l'assurer, dans toutes les agences Pôle emploi, y compris chez nous à Bordeaux-Nord, arrivent au guichet chaque jour des personnes en situation de nous questionner sur comment peut-on faire, etc. Sur tous les sujets, ça va du développement personnel, ça va du développement de soins, de corps. Toute activité aujourd'hui peut être exercée sous quelque forme que ce soit et ça explique ce boom. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure aux responsables de l'agence pour mettre en place les prochaines actions. Ce boom est incroyable. Est-ce qu'il va perdurer? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui, il y a dans l'esprit du public cette volonté, cet état d'esprit, cette âme de chef d'entreprise, sans aucun doute. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi, je partage ton avis. Oui, ce souhait d'avancer, le souhait d'entreprendre en général, là, on est sur entreprendre, sur une partie économique, mais le fait de vouloir mener un projet qui nous tient à cœur aussi, qui peut être un projet de vie, donc il ne faut pas se laisser… Là, on parle aujourd'hui de la partie financière. Donc, c'est vrai que souvent, ce qui apparaît en frein quand on veut créer une activité, hein, quand on anime du collectif, c'est souvent la partie financière. Mais voilà, il y a des solutions qui existent. Il ne faut pas se bloquer. Il ne faut pas se faire tomber des barrières psychologiques avant même d'essayer de lancer son activité. Il y aura des freins qui vont arriver de toute façon à un moment. Donc, autant éviter de se les mettre dès le démarrage, puisque ça nous fait perdre cette dynamique-là, malheureusement. Donc, il faut essayer de rêver, il faut essayer d'avancer. Et puis après, oui, forcément, la partie financière va faire que ça va ramener à la réalité. Et puis, on va poser les chiffres parce qu'on n'a pas le choix. Mais il faut aller de l'avant. Et puis, voilà, les barrières, comme je l'ai dit, vont tomber naturellement. Donc, il ne faut pas se les mettre. Il ne faut pas se les imposer dès le démarrage. Sinon, c'est dommage de casser la dynamique. Pour les Français, une entreprise est d'abord perçue comme, vous voyez, alors c'est des chiffres qui ont été recueillis par le biais de BPI France. Alors, pour les Français, un entrepreneur est d'abord perçu comme une personne autonome dans son travail,
à 72%, rémunéré à la hauteur de son engagement 69%, menant un projet dans son intégralité 67%, ayant des responsabilités 67%, qui son propre chef 66, réalisant ses rêves 66, créatif 64, et relevant des défis. Vous voyez. Donc en gros, sur cette diapo-là, ça dénote quoi? Qu'on a vraiment envie d'être dans une autonomie, envie de créer, envie d'avancer, de mener son propre projet et de gérer ses propres responsabilités. Très souvent, c'est un projet de vie. Et voilà, ces chiffres le démontrent bien. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Christophe? Non, du tout. Ces chiffres sont très exhaustifs. C'est Ouais, du tout. voilà. Je pense que c'est ce qui ressemble. Et puis quand on anime, au-delà de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on anime souvent des actions collectives à l'extérieur. Et on se rend compte que c'est souvent ce qui revient quand on pose la question entre les freins et les motivations. C'est vraiment ce qui revient à chaque fois. Bon, je vais laisser la main du coup à Christophe sur les aides de Pôle emploi pour créer son entreprise. J'ai bien bien trop parlé là depuis tout à l'heure. Je vais laisser prendre la main. Je te passe la diapo suivante, Christophe. Merci Romain. Je te laisserai bien sûr la main sur le défilement des slides. Alors, vous êtes 198, je ne vais pas l'indiquer, vous êtes bien évidemment très nombreux maintenant à nous écouter. Là, je vais aborder les aides de Pôle emploi pour créer son entreprise. D'accord? Donc, nous allons parler de l'ARS, nous allons parler du maintien partiel des allocations, nous allons parler également de l'ACRE-ASS et nous allons parler de l'ACRE, dispositif URSSAF. Je vais être le plus, on peut avancer sur la prochaine, sur la slide suivante. Romain, je te remercie. Alors, je vais, comme à chaque fois, chers auditeurs, être le plus précis possible. Le plus précis possible, sur quelque chose qui n'est pas toujours facile à comprendre d'un premier jet. D'accord? Donc, je vais vous donner l'ensemble de ces informations, mais sans vraiment rentrer dans les détails, car cela n'est pas possible. Cela va dépendre un petit peu de la situation de chacun d'entre vous. Mais je vais essayer, je vais vous le laisser. Le vérifier lorsque, à la fin, on vous demandera bien sûr le fait si vous êtes satisfait ou pas de cette matinée. Vous me le direz à travers aussi le chat. Je vais essayer d'approcher cette séquence-là de la manière la plus complète et la plus simple possible pour que vous puissiez vous y retrouver. C'est un engagement que je prends, Romain. L'ARS, l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise. Le demandeur d'emploi qui a un projet de création ou de reprise d'entreprise peut bénéficier, sous certaines conditions, de l'ARS. Bien évidemment, il faut être inscrit à Pôle emploi. Bien évidemment, il faut que le calcul de ses allocations chômage ait été réalisé. Ce n'est pas forcément le cas lorsque le demandeur d'emploi vient nous voir avec un projet de création d'entreprise en nous disant j'ai entendu parler de l'ARS, mais le calcul de ces allocations n'a pas encore été réalisé, n'a pas encore été mis en place. Donc, on va travailler après, bien évidemment, le calcul des allocations de chômage du public. Donc, il faut être bénéficiaire de l'ARE, mais il faut savoir que dans le calcul de l'ARE, Romain, il y a des différés d'indemnisation. Il y a des différés d'indemnisation. Le premier différé de 7 jours et les différés qui sont dus aux indemnités compensatrices de congés payés et aux indemnités supralégales de licenciement ou que l'on vous verse quand vous avez fait l'objet d'un licenciement ou d'une rupture conventionnelle. Donc, on va vous calculer ces différés qui peuvent représenter 1 ou 2 mois d'attente. Et l'ARS, l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, ne vous sera versée qu'à l'issue de ces différés d'indemnisation. Donc, on peut bien souvent venir à Pôle emploi et indiquer qu'on a un projet solide et qu'on souhaite bénéficier de l'ARS tout de suite. Et bien, la réponse est non. Il faudra sans doute faire le dossier avant, que le calcul des allocations chômage soit réalisé et qu'on soit au premier jour
de l'ouverture de l'aide au retour à l'emploi. Romain, le montant de l'ARS, quel est-il? 45%. Donc, le montant est de 45% des allocations chômage restant dues. Bon, Pôle emploi va vous calculer une allocation chômage avec un montant, c'est ce qu'on appelle le capital. Ce capital va vous être versé sur un montant égal à 45%. Mais il ne va pas, ces 45%, Romain, ne vont pas être versés au public tout de suite. Je l'ai dit, après les différés d'indemnisation. Et il va être versé, ce capital, ces 45%, en deux montants égaux de 22,5% chacun. Donc 22,5% à la mise en place du dossier et au premier jour de l'indemnisation, et les 22,5% suivants, 6 mois plus tard. Pôle emploi assure bien les choses. Quand on vous verse le premier montant de l'ARS, l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, le public reçoit un courrier les invitant à nous transmettre un justificatif de maintien dans la création d'entreprise, parce qu'au bout de 6 mois, certains ont pu bien évidemment être radiés. Donc, pour bénéficier de ce second montant, vous devez nous fournir un justificatif indiquant que vous êtes maintenu dans le process de la création d'entreprise. Et on ne vous demande pas, bien évidemment, de justificatif d'utilisation de l'ARS. D'accord? Donc, quand l'ARS est versé, bien évidemment, Romain, le public ne reçoit plus ses allocations chômage au mois le mois, puisqu'on vous les a versées. Quand vous choisissez cette solution, on vous les verse, non pas d'un coup, mais de 45%. Voilà, par rapport à l'ARS, est-ce que ça nous amène à des questions du public sur l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise? Oui, j'en ai une, j'ai plusieurs questions. Alors, une, je ne pourrais peut-être pas répondre. La question se pose, alors attends, pour recevoir l'ARS, il faut percevoir de base le chômage, oui ou non? Alors, bien évidemment, pour percevoir l'ARS, c'est une aide de Pôle emploi qui s'appuie sur vos allocations chômage. Donc, bien évidemment que pour prétendre à l'ARS, il faut avoir bien évidemment travaillé suffisamment pour bénéficier de l'aide au retour à l'emploi, puisque l'ARS se construit sur votre aide au retour à l'emploi. Là, il y a une question intéressante d'Estelle qui nous dit qu'en est-il des 55% restants? Estelle, les 55% restants sont stockés. Ils sont stockés, mais attention, ils ne sont pas stockés à vie, puisqu'il y a la notion de déchéance des droits pour l'emploi, des allocations qui n'ont pas été utilisées pendant 3 ans, parce que cette déchéance des droits, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais elle est basée sur 3 ans plus le nombre de mois ou d'années de vos allocations, bien évidemment en général 2 ou 3 ans pour les plus de 50 ans. Donc, au bout de 5 ans, d'échéance des droits, eh bien, ces 55% sont perdus. Donc, quelqu'un qui crée une entreprise et qui envoie son certificat de radiation aux institutions ainsi qu'à Pôle emploi, 10 ans plus tard, ne retrouveront pas ses allocations chômage, Romain. Donc, ouais. Voilà. Donc, dans un premier temps, c'est stocké, mais ce n'est pas stocké indéfiniment. D'accord. D'autres questions, Romain ? Ouais. A-t-on le droit, alors là, on est plus sur les minima sociaux, sur le RSA, il y a une question, a-t-on le droit à l'allocation au RSA en étant en micro-entreprise quand il y a des mois difficiles? Oui, les allocataires du RSA peuvent continuer à percevoir leur allocation en liaison avec la caisse d'allocation familiale pendant une certaine durée. Ok. Une personne n'ayant a le droit à l'ARE sortie de la fonction publique, même si elle bénéficie de l'ACRE, n'aura pas le droit à l'ARS? Alors, les règles du jeu sont les mêmes, parce que pour il y a des conventions de gestion entre Pôle emploi et les structures publiques, entre Pôle emploi et les structures publiques. Et ces conventions de gestion prévoient que pour certaines institutions, c'est Pôle emploi qui effectue le versement, et dans d'autres cas, ce sont les institutions auquel le public était affilié, et ça fonctionne de la même manière. Autre question, ce capital est-il à déclarer sur le revenu, comme pour les allocations mensuelles? Alors, ce capital, bien évidemment, c'est ce que Pôle emploi vous verse, chers auditeurs.
Donc, au moment, ça va figurer sur la déclaration fiscale, bien évidemment, puisque c'est ce que l'on vous verse, c'est ce que Pôle emploi vous verse tous les mois, sauf que dans le cadre du versement de l'ARS, ça vous est versé, pas d'un coup, je le répète, puisque c'est deux versements, mais ça doit figurer, bien évidemment, sur la déclaration fiscale. J'ai une question. On va y venir après. Ouais. Dalila, on va répondre à votre question, Dalila, sur la question de l'allocation de solidarité spécifique, parce que c'est un sujet sur lequel on va revenir dans quelques minutes. J'avais une question. Cela fait plus de 6 mois. Ouais, bon, c'est pas vraiment une question. Cela fait plus de 6 mois que j'ai créé mon entreprise. Pourtant, mon conseiller Pôle emploi ne m'a jamais parlé du dispositif ARS. Est-ce qu'il y a moyen de revenir en arrière? Pas du tout. Alors, à partir du moment où vous pouvez demander le bénéfice de l'ARS à tout moment, mais lorsque vous le demandez, on ne revient pas en arrière. Mais demander l'ARS, s'appuie sur l'aide au retour à l'emploi. Lorsque l'aide au retour à l'emploi, le capital diminue au fur et à mesure, bien évidemment, de l'octroi des allocations. Donc, il y a un moment donné, demander l'ARS sur 45% d'une somme très faible divisée en deux montants de 22,5%, Romain, ça n'a aucun intérêt, si je peux me permettre, à un moment donné. L'ARS, chers auditeurs, elle se demande quasiment d'entrée de jeu. Directement. Le capital est le plus fort. Là où le montant en euros est le plus élevé. Donc, ça se demande très vite. Alors, il y a certains auditeurs qui peuvent nous dire « Oui, mais on ne m'a pas parlé de ça, etc. » Donc, pour régler toutes ces questions-là, à partir du moment où vous vous immatriculez, vous transmettez le document d'immatriculation à Pôle emploi et vous saisissez le conseiller Pôle emploi de votre agence parce qu'il va vous transmettre un document où toutes les informations que je vous donne figurent. D'accord. Ok, super. J'avais une autre question pour l'ARS, une dernière. Si on démissionne d'un CDI, faut-il attendre de passer à la commission de Pôle emploi pour toucher l'ARS? Réponse oui, parce que lorsqu'on a démissionné et que le motif de la démission n'est pas légitime, d'abord, dans un premier temps, on va vérifier que votre démission est ou pas légitime. Donc, on va vous envoyer un document que vous devez nous transmettre, parce que dans 9 cas, la démission peut être légitime, mais dans de nombreux cas, la démission, c'est un départ volontaire, la démission. Donc, on ne verse pas des allocations de chômage. Il y a une sorte de, entre guillemets, vous voyez mes doigts, entre guillemets, de pénalité pendant 3 mois. Ensuite, c'est une commission départementale et régionale qui, au vu de vos allocations, qui, au vu de vos démarches de recherche d'emploi, va vous calculer votre allocation, va vous calculer une ouverture de droit, un point de départ d'allocation, et là, bien évidemment, on vous versera l'ARS. Mais effectivement, il faudra attendre, bien sûr. Dernière question, puis après on va passer à celle d'après. En cas de fermeture de la société, vous dites qu'il serait possible de récupérer le reliquat global, ou les 45% ou 55%. Oui, réponse oui. Réponse oui, mais à condition que lorsque la cessation arrive de la société, qu'on ait le certificat de radiation à Pôle emploi pour qu'on mette un terme à votre statut ANS et qu'on vous verse ce reliquat, qu'on le mette en paiement, à condition que cette cessation d'activité soit dans un délai raisonnable, hein, puisque j'ai parlé tout à l'heure de la déchéance de droit, un terme un petit peu… la déchéance de droit, c'est un terme qui fait peut-être un petit peu peur, mais on ne maintient pas ce reliquat d'allocation à la disposition du public à vie. Hein. Voilà. Okay. On va passer à la diapo. Oui, Romain. On va passer à la diapo d'après peut-être, parce qu'il y aura d'autres questions sur mon corps sur la diapo d'après. Alors, j'ai une question aussi, une question peut-être sur l'ARS. Un truc qui doit se faire assez rapidement, je pense. Quelle différence entre l'ARS Pôle emploi et l'ACRE URSSAF? Alors, on va y venir, Romain, parce que je crois que c'est le sens de la slide diapositive suivante. Et oui. Quelle belle introduction. Je te laisse. Pas tout à fait, Romain. Pas tout à fait, Romain, parce que… pas tout à fait, parce que vous avez des auditeurs qui ne demanderont pas l'ARS à Pôle emploi, parce que tout simplement, Romain, ils n'en ont pas besoin, ils ne le souhaitent pas. Demandent l'ARS ceux qui, en général, ont dans leur plan de financement du soutien financier de l'ADI.
tu en parleras tout à l'heure, bien oui. évidemment, du soutien financier des banques, mais qui apporte à l'éco-financier de leur projet l'ARS. Mais tout le monde n'en a pas besoin. Hier, une demandeuse d'emploi m'a interrogé, elle veut travailler dans le e-commerce de création de sites web en micro-entreprise, elle n'a pas besoin de l'ARS. Alors, ceux qui ne demanderont pas l'ARS seront sur le maintien partiel des allocations. Donc, si vous ne demandez pas l'ARS, c'est le sujet de la diapositive suivante, celle-ci, le maintien partiel des allocations. Le choix se fait au moment de l'envoi des justificatifs à Pôle emploi. On vous demande, souhaitez-vous bénéficier de l'ARS ou souhaitez-vous le maintien partiel de vos allocations? Pourquoi partiel, Romain? Parce que les auditeurs, et je l'espère, c'est le sens, le but de la création d'entreprise, c'est gagner de l'argent, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, on va leur maintenir les allocations, mais vous allez voir avec l'exemple suivant comment on s'y prend. Alors, le cumul constitue un autre moyen financier de vous accompagner dans la création d'entreprise. Dans la limite de la durée de vos droits, bien sûr, vous pouvez bénéficier de ce dispositif du maintien partiel des allocations. Alors, comment ça se passe au niveau de Pôle emploi? Vous allez être dans une situation avec l'URSSAF, parce que ça, il faudra le choisir, bien évidemment, au moment de votre immatriculation. L'URSSAF, bien évidemment, c'est l'institution auquel vous devez verser vos charges sociales, vous l'avez bien compris. Donc, avec l'URSSAF, l'URSSAF va vous demander si vous souhaitez être mensualisé ou trimestrialisé ou dans des situations très rares, annualisé. Romain, le seul conseil que Pôle emploi donne au public, c'est d'être mensualisé. C'est d'être mensualisé du paiement, du versement à l'URSSAF de ses contributions sociales en tant que chef d'entreprise, on va le voir tout à l'heure, parce qu'au niveau de Pôle emploi, eh bien, ça facilite le travail des conseillers Pôle emploi et surtout, ça facilite la gestion des allocations pour le public. Parce que lorsqu'on est mensualisé avec l'URSSAF, tout se passe au mensuel et quand c'est au trimestriel, eh bien, on peut être amené à vous demander, si l'on vous a versé trop d'argent hein, tous les mois, eh bien, on peut vous demander de récupérer cet argent qui vous a été indûment versé. C'est pour ça que je m'adresse aux auditeurs qui nous écoutent, futurs créateurs, d'être mensualisés de leurs charges sociales avec l'URSSAF. Donc, le maintien partiel des allocations, eh bien, c'est assez clair. Soit vous pouvez faire votre déclaration mensuellement ou pas. Parce que si vous êtes mensualisé avec l'URSSAF, tous les mois, lors de votre actualisation, eh bien, vous allez indiquer si vous avez travaillé. Réponse oui. Dans la lecture de la slide, c'est précisé. Vous indiquerez une heure travaillée et puis vous indiquerez le gain en euros bruts avant abattement. Donc, j'invite aussi le public à ne pas faire les abattements eux-mêmes, mais à nous déclarer le montant en euros bruts gagné. D'accord? Alors, nous, à Pôle emploi, bien, on va appliquer l'abattement à cette somme. Alors, dans le cas du régime BIC, c'est 50%. Dans le cas de l'achat-revente, c'est 71%. Pour les bénéfices industriels et commerciaux, c'est 50%. Et pour les bénéfices non commerciaux, c'est 34%. Ça, cet abattement, en tout cas, chers auditeurs, je vous le répète, cela figure dans les documents que Pôle emploi vous transmet lorsque vous nous avez scanné les documents dans votre dossier que vous nous avez transmis les documents, soit l'extrait CABIS d'immatriculation, soit le PV d'Assemblée générale pour ceux qui se montent en format sociétal, soit le certificat d'immatriculation pour ceux qui adoptent le statut des micro-entrepreneurs. Donc, le calcul, il est assez simple. On va appliquer un abattement et on va vous faire un montant provisoire d'allocation parce que bien souvent, vous n'avez pas tout de suite le document de l'URSSAF que vous devez bien évidemment renvoyer à Pôle emploi. Hein. Quand vous êtes salarié, vous transmettez à Pôle emploi tous les mois votre bulletin de salaire, mais quand vous êtes chef d'entreprise, vous transmettez à Pôle emploi le justificatif de l'URSSAF pour que nous, on rectifie ce que vous nous avez déclaré en amont. Donc, il y a donc deux versements. Dans un premier temps, eh bien, c'est 80%. On va vous donner 80% de ce qu'on vous doit. Et puis, on va vous donner le reliquat à l'issue, c'est-à-dire un complément. Et dans l'exemple, sur une somme de 1 000 euros gagnés, hein,
vous avez deux versements, un montant provisoire de 650 euros et un montant définitif de 200 et 450, montant provisoire de 200, montant définitif de 450, ce qui fait sur un exemple de 1000 euros gagnés, 650 euros versés sur le compte des demandeurs d'emploi en complément de les gains qu'ils ont pu recevoir de leur activité de chef d'entreprise. Est-ce que dans cet exemple, tout est clair, Romain ? Est-ce qu'on a des questions sur le public ? Eh bien, j'ai une question. Si le chiffre d'affaires pour un mois est nul, donc égal à zéro, doit-on également déclarer une activité non salariée auprès de Pôle emploi ? Ben, réponse oui. La règle du jeu est claire, chers auditeurs. J'ai des gains, je m'actualise. Je n'ai pas de gains, je m'actualise aussi. Salarié, je m'actualise. Je suis chef d'entreprise, quel qu'en soit le statut, sociétal ou non, je m'actualise. L'actualisation des travailleurs non salariés, qu'on appelle aussi dans le jargon TNS, ou de ceux qui travaillent, elle est identique. Les questions, ce sont les mêmes. On vous demande si vous avez travaillé. Vous répondez oui. Alors, bien souvent, vous ne savez pas quoi mettre. Vous avez travaillé, vous avez travaillé en tant que chef d'entreprise. Vous ne savez pas le nombre d'heures que vous avez consacré, Romain, à ce statut de chef d'entreprise. Le protocole avec Pôle emploi prévoit que vous mettez un. Et les conseillers chargés de faire ces versements d'allocation mensuelle savent que lorsque vous mettez un, et que vous avez bien évidemment transmis à Pôle emploi le justificatif d'immatriculation, eh bien, on vous verse le mois complet d'allocation, bien évidemment. Lorsqu'il n'y a pas de gain ou que le gain est égal à zéro, on vous verse un mois complet d'allocation. C'est pareil, Romain, lorsque le public se monte en format sociétal. Bien souvent, le procès-verbal d'Assemblée générale prévoit qu'il n'y a pas de versement pour telle ou telle personne. Alors, j'insiste, pour ceux qui sont en format sociétal, lorsque l'Assemblée générale prévoit des gains, il faut en adresser à Pôle emploi en le scannant chaque PV d'Assemblée générale nouveau que vous donne votre comptable, bien évidemment. À chaque fois qu'il y a des modifications dans l'ordre de ce PV d'Assemblée générale pour votre société, transmettez à Pôle emploi ce document. Allez, je vais juste te couper, j'ai une question, Virginie. Du coup, on travaille et Pôle emploi soustrait ce qu'on gagne à notre allocation et elle met « on y perd ». Non. Alors, quand on travaille ou quand on a de l'activité ou qu'on a un chiffre à déclarer, forcément, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, si j'ai bien compris, l'ARE va être adapté en fonction du chiffre qu'on aura déclaré, de la déclaration qu'on aura faite. Après, on y perd ou non ? Normalement, non, puisqu'on est censé, générer… générer du chiffre et être au-dessus de son allocation, ce qui est le souhait de tous hein, à la base. C'est exact, Romain. Et puis, d'une manière générale, le calcul de Pôle emploi, comme vous le voyez, vous avez des allocations chômage. Le calcul, il est très précis. On n'est pas perdant de créer une entreprise, hein, bien évidemment. Oui, effectivement. Bien au contraire. Parce que les abattements de Pôle emploi, alors, je ne vais pas utiliser le terme de… pas de généreux, entre guillemets, mais les abattements de Pôle emploi sont prévus quand même pour permettre au public de tirer des gains de leur activité salariée et de tout simplement de leur allocation chômage. Mais il ne peut pas, Romain, ça ne peut pas se comprendre de verser la totalité des allocations chômage avec la totalité des gains et la totalité des gains d'une activité de chef d'entreprise. Si nous n'avons pas opté pour le versement libératoire, case à cocher quand on s'immatricule, et nous effectuons nos déclarations trimestrielles et non pas mensuelles à l'URSSAF, comment s'actualiser au Pôle emploi ? Ça, c'est très intéressant. Ah ben c'est pareil, c'est tout à fait pareil. Lorsque vous êtes trimestrialisé, vous vous actualisez tous les mois. Au cours du mois précédent, avez-vous travaillé ? Oui, une heure. Quel est le gain ? Eh bien, puisque vous êtes trimestrialisé, c'est au trimestre que vous faites votre déclaration à l'URSSAF. Et nous, on va vous verser un mois complet d'allocation. On va vous verser un mois complet d'allocation, puisque nous ne savons pas ce que vous avez gagné de votre activité de chef d'entreprise. Nous ne le saurons, Romain, que dans trois mois. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans trois mois, il se peut qu'on vous ait versé les mois précédents des sommes indues qu'on soit amené à récupérer. Donc, si vous pouvez être mensualisé, parce que je crois que maintenant, et Agnès Nardon a dû vous le dire
dans les webinaires précédents, demandez à être, si vous êtes trimestrialisé, vous avez 3 mois pour faire la correction avec l'URSSAF pour devenir mensuel avec eux. J'ai une question de, si je gagne 10 000 euros sur un mois et zéro sur l'autre mois, si je ne perçois pas l'ARE le premier mois et je perçois mon ARE le second mois. Est-ce que la fin de l'année, je devrais reverser un montant si on lisse ma rémunération à l'année ? Alors non, puisque enfin, là, dans l'exemple, Romain, c'est quelqu'un qui gagne 10 000 euros sur un mois X et zéro sur un mois Y. Bien évidemment, sur le mois des 10 000 euros, il ne va pas percevoir après les abattements des allocations et le mois suivant, il retrouve son mois complet des allocations. D'accord. Les ajustements se font au mois, voire au trimestre et dans de très rares cas sur l'année. Mais bon, ce sont des cas que j'ai vus, mais c'est très, très rare et c'est dans certaines situations avec le public et à 80%, 90% mensualisé maintenant, ce qui n'était pas le cas au tout début. Il y a encore quelques années, mais aujourd'hui, la plupart des gens sont mensualisés et lorsqu'ils ne font pas attention dans le dossier avec l'URSSAF qu'ils sont trimestrialisés, l'URSSAF le leur dit, l'URSSAF l'indique au public parce qu'il y a une relation très proche actuellement, déjà depuis quelques années, entre l'URSSAF et Pôle emploi et on a depuis toujours expliqué à l'URSSAF pour quelles raisons, pour nous, à Pôle emploi, le public devait être mensualisé. J'ai des questions, mais après, c'est vrai ce qui peut être le plus intéressant, c'est peut-être de refaire un check si vous avez des questions plus pointues sur votre dossier personnel, peut-être faire un point avec votre conseiller. Bien sûr. Vous avez dans le chat un lien qui va vous permettre de vous y retrouver. Sur le site de pôle-emploi.fr, l'ARS et le maintien partiel des allocations vous est superbement expliqué. Alors, quand je dis superbement expliqué, parce que j'utilise toujours… Parce que c'est toi qui l'as écrit sûrement, non ? C'est ça ? Comment ? Je dis parce que c'est toi qui l'as écrit peut-être. Non, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais j'envoie le lien quasiment tous les jours au public qui souhaite connaître la différence entre l'ARS, puisque les choses ne sont pas très proches, mais ARS, ACRE, le public, il y a beaucoup de confusion encore, et c'est bien normal, Romain, c'est bien normal. Il y a des choses quand même c'est des choses à appréhender, des fois ce qui peut freiner, je reviens sur la création d'entreprise, des fois toutes ces infos-là, c'est compliqué des fois, donc il faut prendre le temps de se poser, c'est ce que je disais, il faut essayer de s'octroyer un peu de temps et de se poser pour bien comprendre comment ça fonctionne, et après rentrer sur des automatismes, et après une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, les indemnisations, etc., les aides, voilà, on rentre sur une, entre guillemets, quelque chose d'assez routinier où on va apprendre ses automatismes, on va se caler et puis ce sera tout le temps à peu près la même chose. Et puis, je m'adresse aux auditeurs avant de passer à la slide suivante. Je dirais, dans chaque pôle emploi de la région Nouvelle-Aquitaine, vous avez par mois, parfois c'est toutes les quinzaines, des réunions mensuelles d'information des demandeurs d'emploi porteurs de projets de création d'entreprise où l'on vous explique tout cela dans le moindre détail. Oui. Plus les liens que Pôle emploi met à la disposition du public sur le site, plus l'info, Romain, que vous faites, elle a dit, dans le cadre de vos journées portes ouvertes éventuellement ou que vos collègues animent, journées portes ouvertes ou bien évidemment accompagnement. D'accord ? Merci beaucoup. On passe à la slide suivante ? Oui, bien sûr. Allez. Bien sûr. Vous percevez l'allocation, l'ASS ? On en avait parlé, on avait eu des questions tout à l'heure à ce sujet-là. Bien sûr. Alors, bien évidemment, dans l'allocation de solidarité spécifique, c'est l'allocation qui intervient lorsque vous arrivez au terme de l'aide au retour à l'emploi. Vous arrivez au terme de l'aide au retour à l'emploi, vous n'avez pas retravaillé, vous n'avez donc pas rechargé vos droits. Donc, Pôle emploi va vous adresser un document qu'on appelle l'allocation de solidarité spécifique. L'allocation de solidarité spécifique, Romain, il faut avoir travaillé 5 ans avant la date qui a servi au calcul des allocations. Donc, quelqu'un qui n'a travaillé que 2 ans, il aura cette aide au retour à l'emploi pendant 2 ans, mais il ne pourra pas avoir la SS. Donc, l'allocation de solidarité spécifique, ce n'est pas non plus le grand volume du public. Et a fortiori le public porteur de projets de création d'entreprise, mais dans les réunions romaines. Il y a certaines personnes qui évoquent cette situation, et on le voit bien dans le chat,
elle est évoquée. Alors, on peut cumuler l'allocation de solidarité spécifique avec les revenus tirés d'une activité pendant 3 mois, consécutifs ou non. Au terme des 3 mois, l'allocation de solidarité spécifique est interrompue au profit de la prime d'activité qui est versée par la caisse d'allocation familiale si les conditions sont remplies. D'accord ? Pour les créateurs repreneurs d'entreprises qui peuvent bénéficier de l'ACRE, j'ai pas dit de l'ARS, de l'ACRE, on va y venir après, une aide dénommée ACRE ASS est versée pendant 1 an à compter de la date de création ou de reprise d'entreprise. D'accord ? Le paiement de cette ACRE ASS, alors bien sûr, on l'a appelé ACRE ASS, il y a l'ACRE URSSAF, il y a l'ACRE ASS. Je comprends, Romain, que la confusion peut se faire dans les présentations webinaires comme celle-ci, mais les choses sont claires. L'ACRE ASS, ça n'a rien à voir avec l'URSSAF. Vous bénéficiez de l'allocation de solidarité spécifique. À côté, vous pouvez bénéficier de l'exonération de charges avec l'URSSAF qu'on appelle l'ACRE. Eh bien, Pôle emploi peut vous proposer, ça il faut bien évidemment solliciter votre conseiller Pôle emploi. On ne va pas vous verser l'ARS, mais ça s'appelle l'ACRE ASS et elle est versée pendant 1 an à compter de la date de la création ou de la reprise d'entreprise. Okay. Voilà, donc bien évidemment, cette ACRE ASS fait l'objet de quelques questions, Romain. Elle concerne des personnes, elle concerne des personnes, les règles du jeu sont claires. Oui, on peut créer une entreprise. Oui, on peut bénéficier de son allocation. Elle prend le titre d'ACRE ASS et elle peut être, bien évidemment, il y a 2 cas de figure. Il y a ceux qui peuvent prétendre à l'ACRE tout court, exonération de charges, et ceux qui ne le peuvent pas le prétendre. Dans un cas, on le verse ça pendant 1 an. Dans l'autre cas, c'est pendant 3 mois. Et au terme des 3 mois, c'est la prime d'activité de la CAF qui prend le relais. Question, pouvons-nous faire une demande RSA en plus de l'ASS ? Alors, je dirais, réponse allez, alors là, elle est catégoriquement non. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où l'ASS, vous ne pourrez pas la refuser de toute façon, on va vous la proposer quasiment automatiquement. Parce que le système Pôle emploi va détecter ou pas votre rechargement d'allocation, Romain. Il le détecte, il est paramétré pour le détecter. 1 mois et demi avant la date de fin de votre aide au retour à l'emploi, on vous envoie un document à compléter qui s'appelle le dossier d'allocation spécifique de solidarité. On vous demande votre dernière feuille d'impôt parce que cette ASS, elle est versée, mais sous condition de ressources. L'aide au retour à l'emploi, il n'y a que vous qui êtes impliqué sur l'aide au retour à l'emploi. Ce sont vos cotisations. Tandis que pour l'allocation de solidarité spécifique, pour vous la verser, on va regarder tous ceux qui sont à l'intérieur de votre famille sur la feuille d'impôt. Donc, si vous vivez avec quelqu'un qui est en CDI à temps plein, eh bien, dans 99,9% des cas, vous ne pourrez pas prétendre à l'ASS. Et si vous ne pouvez pas prétendre à l'ASS, on va vous faire une déclaration de rejet d'ASS et vous pourrez faire votre demande de RSA auprès des services de la caisse d'allocation familiale. OK. Super, c'est clair. Merci beaucoup. C'est clair. Merci beaucoup, Christophe. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. Il y en avait une concernant la slide précédente. Alors, c'est la slide précédente, mais c'est une petite info qui peut être intéressante. Les abattements qui ont été faits liés au chiffre d'affaires, ils sont-ils stockés quelque part pour augmenter la durée d'indemnisation initiale, en fait ? Alors, Romain, il va falloir que tu me reposes la question dans un sens différent. Je ne suis pas sûr de l'avoir totalement comprise du premier jet. Alors, quand tu vas déclarer ton chiffre d'affaires, le Pôle emploi va faire un abattement. Cet abattement-là, est-ce qu'il est stocké quelque part ? Et derrière, est-ce que ça permet d'augmenter la durée de l'indemnisation initiale, de recharger ? C'est-à-dire, non, voilà. Non, du tout. Non, du tout, ce n'est pas construit de cette matière-là, de cette manière-là. Les abattements que Pôle emploi applique, c'est pour vous permettre d'avoir une allocation chômage, je dirais pas convenable, mais c'est pour vous permettre d'avoir un complément par rapport à vos gains tirés de votre activité de chef d'entreprise. Mais ça ne vient pas
bouger le capital restant qui vous est dû lorsque vous cessez votre création d'entreprise. C'est calculé en euros et c'est calculé par rapport à vos allocations initiales. Donc, les abattements ne viennent pas, si j'ai bien compris la question de l'auditeur, oui. Ça ne vient pas toucher le reliquat restant qui lui-même est déterminé au moment de la mise en place du dossier d'ARS. Pourquoi il y a des abattements ? Ben, tout simplement parce que, d'abord, ils sont prévus par les lois. Hein, ils sont prévus par les lois et les règlements en général du Code général des impôts et on applique ces abattements qui figurent. Alors, ces abattements figurent, encore une fois, dans tous les documents qu'on vous adresse au moment de l'immatriculation. D'accord. C'est à vous de nous indiquer de quel... si vous relevez de l'achat-revente, si vous relevez des bénéfices industriels et commerciaux ou non commerciaux, c'est à vous de l'indiquer, bien évidemment, dans votre déclaration. Hein. C'est du déclaratif aussi. Hein. Alors, Rémi, j'ai une autre question, mais ce sera la dernière sur ça. Lors d'un webinaire précédent, on nous a conseillé de faire nos déclarations Pôle emploi avant le 15 du mois. Il y a une réponse qui a été apportée que les dates d'actualisation en général, c'est du 27 au 15. Alors, les dates d'actualisation, Romain, c'est du 28 au 15 du mois suivant, pas le 27. Pas le 27. D'accord. C'est du 28 au 15 du mois suivant, sauf au mois de février qui n'a pas totalement 30 jours, auquel cas c'est parfois le 26. Mais l'actualisation, d'ailleurs, vous ne pourrez jamais la faire le 27. Vous ne la faites ouvert. Qu'entre le 28 et le 15 du mois suivant. Bien évidemment. D'accord. Bien évidemment, okay. Romain. Moi, j'invite les auditeurs à ne pas attendre le 15. D'abord, parce que premièrement, techniquement, ils risquent de ne pas pouvoir le faire. Il y a plusieurs milliers de personnes qui font en général l'actualisation sur le site en même temps et il y a parfois des soucis. S'il y a un bug, autant se laisser une petite marge, quoi. Voilà. Pourquoi il y a cette marge, Romain ? C'est tout simplement pour éviter l'engorgement sur le site et de le rendre inefficace. Hein. Il y a plusieurs millions de personnes qui s'actualisent. Hein. Donc, j'ajouterais même un truc d'un point de vue gestion administrative de son activité. Il est hyper important d'avoir une date à peu près définie pour faire tous ses papiers. Comme ça, au moins, on se dit le 30, je sais pas, le 30 de chaque mois ou le 3 début de chaque mois, vous faites tous vos papiers comme ça, série d'administrativement, on n'en parle plus. Et puis Romain, tu as parfaitement raison. D'abord, cette règle du jeu est parfaite, ça évite bien évidemment des oublis et des erreurs. Mais si le public veut avoir le paiement provisoire là, tel qu'il a été calculé, s'il s'actualise le 15 du mois, avec quoi il va vivre hein. Ouais, c'est il ne vivra pas avec une partie de l'allocation chômage, hein. Il vivra simplement avec les gains tirés de son activité de chef d'entreprise. Donc, plus on s'actualise tôt, plus on a le paiement provisoire tôt, hein, avec bien évidemment le paiement définitif, comme vous l'avez dans cette slide, qui lui n'arrivera qu'avec le retour du document d'URSSAF. Bien évidemment, en général, le 10 ou le 15 du mois suivant. Hein. Donc, on s'actualise tôt, on a un paiement provisoire et les règles du jeu sont bien respectées, impeccable. Ok, super. L'ASS, on a répondu, Romain, à ce dispositif de l'ASS. Alors, il y a peut-être l'ACRE, dispositif URSSAF, Romain, auquel on n'a peut-être pas répondu, non ? Alors, je n'ai pas de slide sur l'ACRE, dispositif URSSAF. Alors, tu peux en dire un mot, vas-y, je te laisse en dire un mot. Voilà, parce qu'elle figure, l'ACRE, on le voit dans cette diapositive numéro 12, mais l'ACRE, tout court, ça n'est pas, c'est un dispositif d'aide, mais ce n'est pas le dispositif d'aide au sens où on l'entend de l'attribution d'une allocation ou quelque chose, on est bien d'accord Romain. L'ACRE, c'est tout simplement un dispositif d'exonération partielle de charges sociales pendant un an, d'accord ? Un dispositif d'exonération personnelle de charges sociales pendant un an. Alors, cet ACRE, pour en bénéficier, eh bien, évidemment, il y a des conditions à remplir. Vous les retrouvez dans le dossier de l'ACRE. Et ensuite, il y a des taux d'abattement qui sont appliqués. En 2020, par exemple, c'était 6,4% pour la vente de marchandises, 11% pour les prestations de services et pour les BNC, activités libérales relevant de la CIPAF BNC, il y avait un taux de 11%, c'est les taux qu'on applique. Parce que ce qu'il faut savoir, Romain, c'est que ce dispositif d'exonération de charges sociales patronales pendant un an, ça peut être total, mais ça dépend des rémunérations tirées de l'activité de chef d'entreprise. L'exonération, elle peut être totale,
au démarrage, elle peut être partielle en cours de route ou elle peut être nulle, suivant les gains perçus, suivant les gains tirés de votre activité de chef d'entreprise. Alors, bien évidemment, les premiers mois, elle va être totale, cette exonération, puisqu'il n'y a pas forcément un volume, puisque le chiffre était de 30 852 euros. Vous voyez, avant d'avoir des gains de 30 852 euros à ne pas dépasser, bon, je crois que les micro-entrepreneurs n'arrivent pas forcément à ces sommes-là et peuvent bénéficier de l'ACRE. Donc, l'ACRE, il y a un formulaire. Le formulaire, vous le trouvez sur le site URSSAF Entrepreneur ACRE. D'abord, je vous invite à retrouver le formulaire sur le site de l'URSSAF, rubrique Entrepreneur, rubrique ACRE, A-C-R-E, pour aide à la création d'entreprise. D'accord ? Ok. Merci par rapport à ça, l'ACRE. Alors, l'ACRE, si, une dernière chose, Romain. Tous ceux qui créent une société, lorsqu'ils s'immatriculent, l'information est connue de l'URSSAF. Mais pour les micro-entrepreneurs, je crois qu'il est important, parce qu'ils nous écoutent là en ce moment, pour les micro-entrepreneurs, ils doivent en faire la demande. Ils doivent en faire la demande et il y a un délai à respecter qui est de 45 jours à compter du dépôt de la déclaration de création ou de reprise d'activité. D'accord ? Quelle que soit la forme juridique. Oui, bien sûr. Tout le monde est concerné. Pour les sociétés, je dirais au passage du centre de formalité des entreprises, l'information va être connue de l'URSSAF. Mais pour les micro-entrepreneurs, ils doivent en faire la demande, hein, donc ce n'est pas forcément acquis pour tout le monde. Pour les micro-entrepreneurs, en tout cas, Romain, il y a le guide qui est gratuit, qui fait 26 pages, que je recommande à tous, le guide auto-entrepreneur de l'URSSAF de l'année mars 2022. Donc, il a été édité en mars 2022. C'est un document qui fait 26 pages et l'URSSAF met à votre disposition dans ce guide tous les renseignements dont vous pouvez avoir besoin pour votre activité, pour votre documentation personnelle. Je me sers du guide assez souvent pour le public. Très bien. C'est un guide excellent. Super. Est-ce que tu as autre chose à ajouter, Christophe ? Du tout, Romain. Si les éditeurs qui nous écoutent ont des besoins, je les prends. Sinon, je te... Rappel sur l'ACRE fonctionne par trimestre. Est-ce qu'il est préférable d'attendre la nouvelle année pour se déclarer en tant que micro-entreprise ou c'est juste le début d'un trimestre civil ? Alors, y a cette question du trimestre civil pendant lequel l'URSSAF ne vous calcule pas ses charges. Il y a ce fameux trimestre civil, en effet. Ouais. Ok. D'accord. Merci beaucoup, Christophe. On va refaire un petit focus. On fait un retour sur l'ADI. Microcrédit accompagné de l'ADI. Pourquoi emprunter et s'assurer? Comment définir mes besoins au démarrage? Un petit schéma très simple. Il est hyper important quand vous créez votre activité de faire un point sur ses besoins. Donc, on va tout prendre en compte, les frais d'établissement, les investissements, le stock, la trésorerie de départ. Beaucoup oublient la trésorerie de départ. Et ça, pour moi, je pense que c'est hyper important. Trésorerie de départ, il est important d'avoir de la trésorerie puisque ça va vous permettre de couvrir un mois, deux mois, trois mois de trésorerie qui vous permettront d'être avoir la tête un peu plus sereine. Vous savez que vous avez un peu de trésorerie, vous pouvez avancer, aller chercher du client, etc., développer. Et ça, c'est hyper important. Et en face, on va forcément, c'est comme ça que se construit, je vais dire bêtement et simplement, le plan de financement, les ressources. Est-ce que j'ai des apports personnels? Est-ce que je peux faire un prêt? Est-ce que je peux avoir accès à des aides? On en a parlé tout à l'heure avec le Pôle emploi, il y a des aides qui existent. Donc voilà, donc ça, c'est un schéma très simple, mais vraiment posé sur une feuille, tout ça, c'est déjà… Super. Pourquoi emprunter pour démarrer? Il est toujours plus facile d'emprunter quand ça va bien que quand on est couvert de dettes. Un partenaire financier est avant tout un partenaire qui souhaite que vous réussissiez. C'est vraiment hyper important. Là, je fais un focus sur l'ADI. Nous, quand on finance un créateur, l'objectif quand même, c'est qu'il réussisse puisque sa réussite, c'est aussi la nôtre. Et du coup, on va essayer de l'aider un maximum en l'accompagnant. On peut en l'aider en faisant du bouche à oreille, faisant des interconnexions entre d'autres créateurs qui peuvent avoir créé leur activité, où il peut y avoir des choses qui se passent, des échanges, des collaborations, des clients qui auraient un besoin complémentaire avec un autre créateur, etc. Donc voilà, c'est hyper important et on est là aussi pour apporter des conseils
Voilà, l'emprunt, un petit rappel, l'emprunt est quelque chose de cadré, on connaît la durée, le montant, et normalement, il n'y a pas de mauvaise surprise. C'est ce qu'on fait, nous, à l'ADI, hein. C'est carré, c'est contractualisé. Vous connaissez exactement l'échéance que vous allez avoir, il n'y a pas de mauvaise surprise. Garder de la trésorerie personnelle de son entourage ou de son entourage en cas de difficulté, c'est logique. Puisque, voilà, il est hyper important, et ça, on le répète assez souvent, de ne pas mettre tout votre argent dans un apport à la création d'une activité. Couper la poire en deux, par exemple, si vous avez envie quand même de mettre un peu d'argent pour limiter des coûts d'emprunt ou d'aide ou quoi. Mais voilà, gardez un peu de trésorerie perso de côté, on ne sait jamais. Pas aussi vous mettre en difficulté d'un point de vue personnel également. Il est plus judicieux d'emprunter pour investir dans son affaire sur du long terme, effectivement. Emprunter tranquillement, voilà. Certains financeurs, comme l'a dit, vous offrent un service d'accompagnement complément et certaines aides complémentaires sont conditionnées à un financement complémentaire. Le prêt d'honneur, par exemple, ne peut pas se faire comme ça. Il faut qu'il y ait un financement à côté, un microcrédit. Voilà. Bon, ça, c'est les règles un peu de base qui peuvent vous aider voilà, à avancer dans la création de votre activité. La diapo suivante, selon BPI. Les trois causes de cessation, je sais pas, j'ai dû. Non, je suis sur la bonne, je suis sur la 17. L'insuffisance en nombre de clients. Donc, ça, en fait, c'est des cas qui sont récurrents, qui existent, en fait. L'insuffisance en nombre de clients. Donc, il est hyper important d'aller chercher une stratégie commerciale, d'aller vraiment se faire connaître. Ça, vraiment, il faut vraiment pas négliger ça. Une trop faible rentabilité, facturation trop faible au regard des charges qui doit payer l'entreprise. J'en reviens, je rétropédale sur la diapo d'avant où on disait voilà le plan de financement démarrage, quelles vont être mes charges aussi, faire un bon prévisionnel, essayer de cadrer un peu tout ça pour essayer d'anticiper un maximum. Et puis pas aussi, des fois vous savez il y a des charges qui peuvent être peut-être limitées, qui peuvent être peut-être omises. On peut retirer ces charges-là si on a un bon partenariat, si on a moyen de limiter les coûts au démarrage. Il faut vraiment pas hésiter. Le manque de fonds, alors j'en reviens aussi sur un truc, une trop faible rentabilité. Des fois, on a un projet qu'on a construit et puis on va prendre une enveloppe pour mettre ce projet-là un peu trop large. Et du coup, on va avoir beaucoup de charges parce qu'on a pris une trop grosse enveloppe. Et des fois, il est important de prendre une enveloppe un petit peu plus petite et puis après, en prendre une autre plus tard un petit peu plus grande s'il y a besoin. Mais du coup, au moins, voilà, pas se mettre en difficulté. Le manque de fonds propres au démarrage. Le plan de financement peut être sous-évalué. Il est important de ne pas sous-évaluer un projet, mais ne pas le surévaluer non plus. Voilà, ce qui vous permettra de trouver un équilibre financier aussi. Une minorité de créateurs sont par ailleurs confrontés à des difficultés de trésorerie causées par une croissance rapide, paiement décalé des clients. Effectivement, dans le bâtiment, par exemple, ça peut arriver qu'il y ait un paiement sous 30 jours. Et du coup, on n'a pas la trésorerie, on n'y a pas pensé. Et du coup, les clients ne vous ont pas encore payé. Voilà, donc il y a tout ça, il faut y penser et faut pas se mettre en difficulté. C'est pour ça que la trésorerie sur 3 mois, c'est ce qu'on préconise. On essaye de compiler les charges fixes et de se dire, bon, bah, si les charges fixes sont à 500 euros, bah, je vais essayer d'avoir 1500 euros de trésorerie. Comme ça, au moins, je sais que je peux payer mes factures pendant 3 mois et je peux aller chercher du client. Est-ce que, Christophe, tu as des choses à ajouter? Non, non, Romain, simplement dans le chat, bon, ça concernait le délai de 45 jours pour le dossier Acre avec l'URSSAF. Une auditrice disait que c'était au moment de l'immatriculation. Alors, ça reste, Romain, un détail, mais Oui, je mais dès que tu demandais as. à Alexandra, notre administratrice du chat, de vérifier, parce que moi, mes sources, elles viennent de BPI France Création, hein, qui est l'organisme national de ressources pour les conseillers en général. Si vraiment ce délai a été corrigé ces derniers jours ou ce dernier trimestre, Romain, je m'en excuse, bien évidemment. On va avoir l'information comme ça. On le saura Voilà. dans quelques secondes, je pense. Voilà. Mais l'URSSAF Merci. est le guide et Alexandra a fait le nécessaire pour transmettre aux auditeurs qui nous écoutent le lien pour retrouver le guide. Non, Romain, Super. merci. Merci Merci à toi. pour quoi emprunter pour démarrer, c'est tout à fait clair. Alors, elle l'a dit, un micro crédit professionnel. Alors, un financement jusqu'à. Alors, on n'est pas sur 10 000, on est sur 12 000. Il y a eu
une petite modif pour créer ou développer votre activité. L'ADI propose un financement adapté donc aux micro-entrepreneurs, donc de 300 à 12 000 euros, durée 48 mois avec un différé, garantie une personne de votre entourage, un cautionnaire. Ça peut être pour la moitié du montant emprunté ou un dépôt de garantie pour 25% de la somme empruntée. Financement de tout type de besoins, ça je l'avais déjà dit tout à l'heure. Achat de matériel, stock, trésorerie, véhicule, voilà. Il peut y avoir des aides complémentaires, des primes locales sous conditions, des prêts d'honneur, etc. Et ça, on peut voir avec vous quand on fait une instruction, quand on se pose avec vous, on fera un état des lieux, on fera un point de ce qu'il est envisageable de faire. L'objectif, c'est de trouver le juste équilibre. C'est ce qu'il y avait marqué dans la diapo tout à l'heure, pour pas vous mettre en difficulté, pour pas qu'il y ait une cessation. Voilà, on est vraiment dans cette dynamique-là de faire à la carte. Un accompagnement personnalisé, professionnel. Donc, on peut faire de l'accompagnement individuel. Vous savez que l'ADI, si vous avez assisté aux sessions d'avant, c'est une association pour le droit d'initiative économique. Donc, on a beaucoup de bénévoles en France et on en a 200 à peu près en Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine. On fait un accompagnement personnalisé, individuel, sur la gestion de la trésorerie, gestion administrative, repositionnement commercial. Si à un moment ça va plus, hein, c'est hyper important de se questionner et assez régulièrement pour qu'à un moment pourquoi ça va pas, pourquoi mon chiffre ne décolle pas ou pourquoi mon chiffre régresse. Ça, c'est hyper important de poser votre prévisionnel, de poser votre réel à côté, de se dire bon, ben, à un moment, ce que j'avais prévu, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Donc, il faut, c'est hyper important de faire le point et d'être en capacité de rebondir et de se repositionner commercialement si à un moment ça ne fonctionne pas ou ça ne fonctionne plus. Il peut y avoir aussi des accompagnements collectifs et des ressources gratuites en ligne. Il y a plein de choses pour créer sa page Facebook, il y a plein de fiches pratiques sur le site de l'ADI qui sont mises à jour hyper régulièrement. Ce n'est pas des fiches qui datent de 2017, hein, donc c'est vraiment dans l'air du temps, c'est constamment actualisé, il faut vraiment s'emparer de ces fiches-là, c'est totalement gratuit et ce sont vraiment des outils pour vous, il y en a plus d'une centaine qui peuvent vous aider. Donc voilà, donc sur ça, ne pas hésiter. Est-ce qu'on a eu un retour du coup sur les 45 jours? Oui, Est-ce que tu peux m'en dire plus? Alexandra s'en est occupée. L'information, elle reste celle qui est indiquée, peu importe. Il y a bien effectivement ce dossier d'acte peut se faire au moment de l'immatriculation. Bien évidemment, on ne dit pas qu'il faut attendre 45 jours, mais on D'accord. peut avoir ce délai de 45 jours pour réunir les informations et faire sa demande. Mais voilà, encore une fois, rassemblez bien les informations, chers auditeurs, qui peuvent varier. Il va en être de même pour la nouvelle convention d'assurance chômage dans les prochaines semaines. Alors, bien sûr, soyez vigilants, hein, aux nouvelles réglementations quand elles se mettent en place, tout simplement, Romain. Ouais. Alors en fait, pour retenir ça, c'est entre 0 et 45 jours maximum. Vous pouvez le faire dès le Voilà. démarrage et vous avez jusqu'à 46 jours, 45 jours maximum. Passer ce délai, ce sera plus faisable. Voilà, il faut juste retenir ça. Merci beaucoup Exactement. en tout cas. Quand vous êtes client ADI, quand vous avez un microcrédit, imaginons, vous avez pris 1 000 euros parce que vous avez besoin d'un petit peu de trésorerie pour lancer votre activité, vous avez accès à des bons plans et ces bons plans, alors il y en a vraiment très peu qui sont affichés, hein, mais il y en a. Énormément des bons plans de l'ADI. Donc, en fait, nous, on va pouvoir vous orienter vers des partenaires, que ce soit Conto, Smile & Pay, l'expert comptable, etc. Et vous bénéficierez de tarifs négociés auprès de ces partenaires-là, négociés par l'ADI. Il y a aussi la voiture en LOA avec location option d'achat, construction de site internet, logiciel de gestion, etc. Donc là, il est vraiment hyper important de se rapprocher de votre conseiller ADI. Quand vous avez un financement, quel qu'il soit entre 300 et 12 000 euros, pour que vous puissiez échanger avec lui en fonction d'un besoin identifié. La personne qui vous accompagne, par exemple, va identifier qu'il y a un besoin, un moment. Du coup, est-ce qu'on se rapproche d'une structure partenaire pour voir ce qu'il est envisageable de faire? La structure partenaire va faire un diagnostic en fonction vraiment de votre besoin. Il va pas y avoir un truc cadré automatique. Ça va être vraiment, on va prendre le temps de vous appeler, d'échanger avec vous, de voir vraiment quelle est la problématique, comment on peut vous aider à la résoudre. Et c'est vraiment tout l'enjeu, en fait. On va, quelques exemples. Ils se sont lancés avec l'ADI. Donc là, Hibiscus Gourmet dans les Pyrénées-Atlantiques. Commercialise des jus d'hibiscus et nectar de baobab. Donc ça, c'est Alassani qui s'est lancé avec l'ADI. Donc ça, ce sont des portraits de quelques créateurs.
Sabrina, thérapeute en épanouissement personnel à La Rochelle, vous voyez. Donc ça, quelques portraits. Slimane, kebab de banlieue, de Beaulieu, pardon, à Poitiers. Il propose donc des kebabs, sandwich, tacos, burgers. Donc ça, voilà, c'est des personnes qu'on accompagne, qu'on finance, qui ont eu un besoin et qu'on essaye d'épauler au mieux. Et Alison, Lise Coiffure, donc service de coiffure à domicile à Anglette. Vous voyez. Donc ça, ce sont des vraies photos, hein. Ce n'est pas des photos, voilà, donc des personnes pour qui on a fait un portrait, qu'on rencontre régulièrement et avec qui on échange et qu'on accompagne, en fait. Je regardais juste s'il y avait quelques informations, des choses, des questions. Est-ce qu'il y en a, Christophe? Non, la dernière personne qui intervient, peut-on avoir une idée du coût de l'accompagnement ADI pour la validation du plan d'affaires, par exemple, ou l'aide à la recherche de financement? Merci, dit-elle. Alors, en fait, Myriam? ouais, alors en fait, ce sera pas un coût de l'accompagnement de l'ADI. C'est-à-dire qu'en fait, à l'ADI, on a un système d'aide à la création en amont avec un dispositif qui s'appelle Je deviens entrepreneur, dispositif que je connais bien puisque je le coordonne sur la Charente et la Haute-Vienne. Ce dispositif-là, c'est une formation de 2 semaines et demie qui va vous aider à travailler votre projet, à travailler le prévisionnel, comment on va développer son réseau, etc. Donc ça, c'est une formation qui vous permet vraiment de structurer votre projet et de mettre en place un plan d'action à la suite. Si derrière, et il y aura un financement de l'ADI de 300 à 12 000 euros, ben vous êtes accompagné automatiquement. Une personne qui devient client à l'ADI est accompagnée et accès au bon plan, etc. Donc le mieux, c'est quand même, peut-être pour faire un point, n'hésitez pas, on a les portes ouvertes de l'ADI qui sont le 7 octobre dans toutes les agences. 7 octobre prochain, vous pouvez aller sur le site de l'ADI, vous inscrire aux portes ouvertes ou venir directement en agence. Vous trouvez l'adresse, il y a une petite carte interactive sur le site de l'ADI, vous allez trouver l'agence et vous pouvez vous rendre à l'agence, ce qui va vous permettre de faire un point avec quelqu'un qui va vous recevoir. D'accord? On va faire un petit check sur les financements alternatifs ou complémentaires. Au-delà du microcrédit, il y a peut-être d'autres sources de financement. Il y a l'ADI, donc prêt en fonction des ressources, maximum égal au microcrédit. Il y a BPI, prêt en complément d'un microcrédit ou banque. Il peut y avoir France Initiative, gérée par les consulaires, prêt moyen de 8 000 euros et Réseau Entreprendre, prêt de 15 000 à 50 000 euros. On va faire un autre tour d'horizon parce qu'on va continuer à développer tranquillement. Le réseau France Active, qui peut vous proposer un fonds de garantie bancaire, d'accord? Et la garantie BPI, où s'y agit, réseau banque, fonds de garantie pour les créations reprises d'entreprises. Alors ça, on vous jette un peu les infos comme ça. C'est vrai que des fois, vous allez vous dire, il y a beaucoup d'infos qui sont jetées, c'est quand même compliqué. Ce que je vous dis, c'est qu'ayez confiance, on fera un point avec vous en agence, on se posera, et on essaiera de trouver des solutions. Si à un moment, l'ADI ne peut pas vous accompagner, il y a des partenaires qui sont là, on saura vous orienter. C'est hyper, hyper important. Il y a Ericoa, uniquement sur le Pays Basque, l'IES, coopérative régionale de financement solidaire, sur les projets à dimension solidaire ou écologique. Donc il y a quand même des choses. Il y a les clubs Cigale aussi, club investisseur pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire. Apport en capital en fonction des clubs. Donc, en fait, vous retrouverez tout ça de toute façon dans tous les cas. Vous inquiétez pas, vous retrouverez tout ça parce qu'on va vous envoyer le contenu, on va vous envoyer les slides. Donc, dans tous les cas, vous retrouverez toutes les informations. Ce que je suis en train de dire, vous pourrez tranquillement regarder. Il y a les clubs locaux aussi pour les femmes ou pour les jeunes qui entreprennent. C'est une épargne collectée en local et prêtée avec un taux d'intérêt parfois à 0% sur les Pyrénées-Atlantiques. Donc voilà, et en complément d'un crédit bancaire sur le 24, le 33 et le 45, il y a le CSDL. Voilà, donc il y a énormément de choses. Il y a des choses qui sont plutôt locales, territoriales, régionales. Voilà, il faut vraiment ne pas se mettre de frein, pas se mettre de limite. Vous venez nous voir, on fait un point, on essaye en fonction du territoire où vous êtes de trouver des partenaires, et on les connaît très bien. Pour vous orienter, pour être un complément, et puis pour même co-construire avec le partenaire. Hein. Ça arrive très souvent qu'un partenaire, avec une personne qui fasse la formation, je deviens entrepreneur, un moment sur le plan de financement,
l'ADI se met, et puis il peut y avoir un partenaire aussi qui vient en complément, on travaille ensemble le projet. Voilà, l'objectif, c'est vraiment d'aller de l'avant et d'avancer ensemble. J'ai une question de Cindy, je vais répondre très rapidement. La formation de 15 jours est en présentiel, effectivement, elle n'est pas à distance, mais il y en a dans beaucoup, beaucoup d'agences sur la Nouvelle-Aquitaine, donc il faut se rapprocher de l'agence pour savoir s'il y a une formation dans les prochains jours, prochaines semaines. Voilà. Alors, le financement par la foule, ce qu'on appelle aussi le financement participatif, il y a une plateforme qui existe qui s'appelle J'adopte un projet. Donc, c'est la première plateforme locale et solidaire de financement participatif en Nouvelle-Aquitaine. Donc, ça, en fait, le financement participatif, c'est vraiment pas compliqué. C'est le principe de la participation collective, une cagnotte avec quelque chose de bien défini en termes de seuil à atteindre. Et puis après, ça vous permet de fédérer un peu les gens autour de votre projet aussi, hein. Au-delà de ça, c'est aussi une action un peu commerciale, hein, puisque ça vous permet de créer des contacts avec beaucoup de personnes qui vont participer à votre cagnotte, hein, on l'espère en tout cas, de participer à votre plan de financement. Derrière, de leur offrir, ça arrive, hein, des petits cadeaux, des petites choses simples. Voilà, une personne qui va donner je sais pas, 10 euros, elle aura accès à ce service-là dans le cadre de mon activité. Un petit service offert, un petit truc qui fait que voilà, ça fédère, ça permet de créer une cohésion, ça permet de transformer cette aventure en aventure humaine, hein, au-delà de l'aventure que vous vivez, vous, d'intégrer des personnes extérieures. Donc ça, vraiment, il faut vraiment pas le négliger. Il y a plein de choses qui existent et ça fonctionne généralement très bien. Et ça peut être un complément hyper intéressant dans le cadre d'un plan de financement. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose, tu comprends tout ce que je dis, Christophe, il n'y a pas de souci, oui, tu m'interpelles, hein, alors, s'il y a le moindre problème. Hein. Romain, je t'écoute avec passion et Alexandra sur le relais en donnant des informations précises au public. Donc, il n'y a pas de questions particulières sur le crowdfunding, etc., sur ces financements participatifs qui sont de plus en plus utilisés. Hein. Eh bien, on y vient. Tu vois, les formes de crowdfunding, le don sans contrepartie, avec contrepartie symbolique ou prévente, le prêt avec ou sans intérêt et l'investissement. Les formes de crowdfunding disponibles, en fait. Le don, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut être sans contrepartie ou avec une contrepartie symbolique. C'est ce que je disais. Par exemple, quelqu'un qui du coup, vous donne, vous établissez des seuils dans le cadre de la cagnotte, quelqu'un qui va donner 20 euros aura accès à un petit service que vous allez proposer dans le cadre de votre activité. C'est offert parce que voilà, c'est un don, il vous donne de l'argent. En échange, voilà, il a un petit plus où il aura 5% sur une commande ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, c'est hyper important d'être dans cette dynamique-là et de soigner ce dispositif-là qui peut vous permettre derrière de générer beaucoup de contacts aussi avec les gens et des gens qui croient en votre projet. C'est hyper motivant aussi et ça vous permet aussi d'aller de l'avant et d'avancer. Le financement participatif en image, voilà un exemple sur J'adopte un projet. Voilà, d'une image, d'une créatrice. L'objectif, c'était 3 000 euros. Elle a déjà collecté 3 775 euros. Il y a eu 72 collaborateurs. Donc, dites-vous quelque chose, c'est que, voilà, comme il y a une mise en avant, l'objectif sur J'adopte un projet, une petite mise en avant avec une pastille, une petite page qui est dédiée à ça. Voilà, il y a objectif atteint. Donc, elle a atteint son objectif. Le reste, c'est de la plus-value, mais à continuer. La cagnotte n'est pas finie encore. Donc, elle a 126%. Et ça lui permet d'avoir 72 contributeurs, donc 72 contacts derrière qui vont permettre de générer du bouche à oreille aussi, de développer l'activité, de lancer l'activité. D'un point de vue stratégie commerciale, ça, quand on lance une activité, quand on a déjà 72 contributeurs, ça veut dire qu'au moment où on va lancer l'activité, on va pouvoir avertir les 72 personnes qu'on a lancé son activité, les inviter peut-être à un petit verbe d'amitié de lancement, quelque chose comme ça, une petite porte ouverte au démarrage. Donc, voilà, ça, c'est une stratégie commerciale. C'est très, très intéressant aussi d'y penser. Alors, on peut retrouver les 2000 aides existantes en France sur un lien www.aide-entreprise.fr. Ça va vous permettre derrière de faire un check de ce qu'il existe en France. Les aides à la région en Nouvelle-Aquitaine, www.nouvelle-aquitaine.fr, vous allez retrouver les aides. D'accord. Et correspondant à TPE de la Banque de France, très petite entreprise, vous allez sur mesquestionsd'entrepreneur.fr et là, vous trouverez aussi des éléments de réponse sur tout ce qui est dans cette dynamique. Voilà, c'est très bien. Alexandra est en train de mettre les liens dans le chat.
Vous pouvez même cliquer directement sur les liens et ça vous permettra d'aller naviguer, découvrir tout ça. Voilà, pas de limite. On va chercher les aides, on va chercher les informations. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Des fois, on a l'impression que c'est hyper compliqué à mettre en place, etc. Mais non, c'est franchement, c'est pas parce que des fois, on est sur un jargon qui peut être un peu calé sur ci, sur ça, que c'est compliqué. En fait, on explique simplement ce qu'on veut faire avec nos mots, etc. On s'approprie les choses et ça passe normalement bien. Il n'y a pas de raison, ça ne fonctionne pas. Dispositif régional d'accompagnement à la création, reprise de très petites entreprises, entreprendre la région à vos côtés, on en a parlé tout à l'heure. Public concerné, vous savez, ces quatre phases-là, ces trois phases que nous avions accueillir, accompagner à la création et après accompagner après la création. Donc voilà, il y a un lien que Alexandra peut aussi vous mettre directement dans le chat si elle le souhaite sur les aides en Nouvelle-Aquitaine. Un petit rappel sur les publics concernés, demandeurs d'emploi, entreprises, jeunes actifs, particuliers, sensibilisation, accompagnement, amont, aide au financement et suivi personnalisé. Ayez ça en tête, il y a toujours quelqu'un, normalement dans les structures Nouvelle-Aquitaine, qui peut faire le lien, être en capacité de vous recevoir, en capacité de faire un point avec vous et de vous aider et de vous orienter. Alexandra a mis le lien, donc c'est très gentil de sa part. Est-ce qu'il y a des questions, Christophe? Non, du tout. Non. Du tout. Alexandra reprend, comme tu l'indiquais, les différents liens. Je voulais simplement qu'Alexandra, bien sûr, qui nous écoute, puisse retrouver le lien du nouveau site gouvernemental dédié à la création d'entreprises qui a été mis en place en janvier 2022, qui recense région par région toute cette information d'accompagnement et de financement, etc., qui est un site qu'on utilise de plus en plus, qui a été ouvert au public en janvier 2022. Si Alexandra, tu le retrouves ou pas, ça serait peut-être intéressant pour les auditeurs. Voilà, le dispositif régional d'accompagnement, hein, c'est clair. Voilà. Okay. Rien d'autre à rajouter par rapport à ça. Un petit conseil, ne mettez pas toutes vos économies dans votre projet. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Sollicitez des acteurs, les acteurs présentés, ils sont là pour vous, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et si votre projet ne trouve pas de financement, retravaillez-le. Alors, ça peut arriver qu'un… Je vais juste m'arrêter sur cette dernière ligne. On ne trouve pas de financement. Alors, est-ce que le projet n'est pas assez affiné? Est-ce qu'à un moment, il y a un angle d'attaque qui n'est pas bon? Il faut aussi être en capacité de se reposer, de reposer les chiffres, reposer la taille du projet, peut-être reposer la cible que vous voulez atteindre, qui est peut-être pas la bonne. Donc, il faut se questionner, il faut prendre en compte l'environnement sociétal aussi, l'environnement économique, essayer de faire un point assez large. Après, je dis pas qu'il faut faire une étude poussée sur tout, mais essayer de maîtriser le risque. Vous serez jamais prêt de façon à 100%. Il y aura toujours, serait toujours à 60, 70%. Le reste, ça sera forcément à réajuster au fil de l'eau. Mais il faut se questionner aussi au maximum, essayer de faire une petite étude de marché, etc. Essayer de calibrer un peu la chose parce que ça vous permettra de vous faire connaître aussi d'un point de vue stratégie commerciale et ça vous permettra aussi de poser les chiffres et derrière d'établir un prévisionnel qui sera, espérons, le plus réel possible. Et puis, il ne faut pas se décourager. Hein. Si on ne trouve pas de financement, ça ne veut pas dire que le projet est mauvais. Hein. C'est surtout ça. Il faut juste se dire qu'à un moment, ce n'est peut-être pas en phase. Il y a peut-être des choses à retravailler. Ce n'est pas grave. On est là aussi pour vous recevoir. On est là aussi pour refaire un point avec vous, voir s'il y a peut-être des points à éclaircir et à retravailler. Romain, un petit point de détail avant qu'on arrive vers la conclusion de notre matinée. Il est maintenant 11h24. Une auditrice nous indique que vous n'avez pas répondu à la question sur le taux d'intérêt du microcrédit. Romain, le taux d'intérêt du microcrédit. Effectivement, le taux est à 8,47. Voilà, 8,47%. Un taux pour ce microcrédit accompagné. Voilà. Parfait. Merci Romain pour cette. Je vais faire un petit point du coup sur la micro-assurance. Il l'a dit. On est intermédiaire d'assurance. L'assurance professionnelle, donc on a travaillé des offres pour que vous puissiez bosser en toute sécurité avec notre partenaire, donc AXA. Quatre formules d'assurance au choix en fonction de votre activité de 80 à 310 euros à l'année. Hein, ce n'est pas mensualisé. Des fois, quand on dit ça, mensuel, non, c'est à l'année. Donc voilà.
Condition d'accessibilité, votre chiffre d'affaires ne dépasse pas 176 200 euros si vous êtes commerçant et 72 600 si vous êtes prestataire de service ou artisan. Franchise, le montant de franchise est limité. En général, il est fixé à 200 euros. Donc, c'est quand même… Alors, c'est négocié. Hein. C'est 200 euros, c'est très peu en franchise. Hein. Ça, à titre indicatif. Donc, c'est franchement une plus-value pour les entrepreneurs. On va de la responsabilité civile professionnelle à la multirisque professionnelle avec un local. Donc là, et derrière, j'enchaîne effectivement responsabilité civile professionnelle, les garanties multirisque professionnelles de 80-310. On a quatre formules, c'est très simple, très facile. Nous, on fait un point avec vous, on fait une proposition d'assurance, mais généralement, quand on vous accompagne, voilà, on cadre ça aussi, la partie assurance avec vous. C'est hyper important de s'assurer parce que tant qu'il se passe rien, voilà, mais quand il se passe quelque chose, ça met en péril l'activité, vous aussi, et ça, voilà, ça peut occasionner de grosses problématiques pendant de nombreuses années. Donc, il faut en avoir conscience. C'est hyper important. Et puis, c'est un gage aussi de sécurité aussi pour vos clients, vos partenaires, de savoir que, voilà, que tout est cadré et que vous n'êtes pas, alors je vais utiliser un terme, vous n'êtes pas un amateur ou une amatrice. Hein. Voilà, vous avez quand même cadré et pris conscience du risque aussi. Hein. C'est hyper, hyper important. Donc après vous avez les responsabilités civiles professionnelles de base, les protections des biens avec les multirisques et il y a même arrêt d'activité de plus de 15 jours suite à un accident, suite à une hospitalisation, suite à un sinistre. Voilà, donc ça c'est plutôt quelque chose qui est hyper hyper apprécié et appréciable du coup le fait d'avoir une indemnité journalière. Je fais une petite il y a la décennale. La décennale, on ne la fait pas par le biais d'AXA, mais on a un partenaire dans le cadre des bons plans qui s'appelle les entrepreneurs de la cité, ce partenaire-là. Et on peut vous orienter vers ce partenaire-là qui va faire un diag avec vous et mettre en place une décennale qui correspond à votre offre. Et on fait l'assurance automobile aussi, quatre formules. Alors là, c'est avec Allianz, négocier. Donc, voilà, on a un simulateur gratuit qui est sur le site de l'ADI. Si Alexandra peut mettre le lien, c'est aussi faisable. Hein, si vous voulez faire une petite simulation, quatre formules d'assurance au choix négociées auprès d'Allianz, c'est pareil. Bonus, malus, quelques infos maximum de 1,25 véhicule que vous assurez est à vous et votre conjoint. Une puissance de 10 chevaux fiscaux maximum. Il coûte moins de 15 000 euros. Franchise 150 euros pour les véhicules de moins de 7 chevaux fiscaux. 300 euros pour les véhicules de 7 à 9 et 49 en cas de brise de glace. Là aussi, c'est pareil. C'est des franchises hyper basses. C'est des franchises. Ouais, pour les deux roues, il y a une assurance particulière pour les deux roues, ceux qui viennent à se déplacer. Non, malheureusement, il n'y a pas de possibilité. Non. Parfait. Et j'en suis désolé. Mini, tiers plus, confort, tout risque. Voilà. Vous retrouverez ça dans les diapos de toute façon, parce que dans tous les cas, il y aura des diapos qui seront mises à votre disposition. Ça, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Voilà. Donc, assistance, etc. Donc, généralement, plutôt très bien placé quand on fait un comparatif par rapport aux autres, puisque ce sont des tarifs qui ont été négociés aussi. L'étude de votre demande, alors là, c'est à titre indicatif, quand vous venez chez nous, parce que vous pouvez avoir un projet déjà ficelé, etc., prévisionnel, vous avez juste un besoin clair, je sais pas, 3000 euros à un moment, là, vous venez chez nous, il y aura une prise de rendez-vous, une instruction de la demande de financement par un conseiller crédit, c'est-à-dire qu'on va prendre le temps de se poser avec vous, de comprendre quel est votre projet, comprendre quel est le besoin, essayer de coller au plus juste, parce que des fois, on peut avoir en tête un besoin de 3000 euros, et puis en fait, quand on va un peu dénouer la pelote, on va se rendre compte qu'on peut peut-être être un peu moins. Et puis après, dans le cadre d'un développement, peut-être quelques mois après, relancer en plus, en investissant un petit peu en plus parce que ça fonctionne et que ça fonctionne plus que prévu. Ou voilà, essayer d'anticiper un peu tout ça, faire peut-être étape par étape. Voilà, valider la demande de financement en comité de crédit. Donc là, il y a les comités de crédit. Donc, on va compiler les informations, on va faire connaissance de vous, compiler les infos perso pro, faire un travail de montage de dossier qu'on va poser dans un comité. Et le comité va statuer oui ou non. Donc, il y en a toutes les semaines. Donc, ça va assez vite. Et après, il y a la signature des éléments contractuels. Et après, il y a l'accompagnement personnalisé qui se met en place. Contractuel, ça veut dire que vous savez quelles sont vos échéances. Vous savez quelles sont la durée. Il n'y a pas de surprise. Vous êtes posé avec nous. On lit ensemble le contrat. S'il y a des questions, on y répond. Il n'y a aucun problème. Et l'objectif derrière, c'est qu'on puisse vous faire le virement le plus vite possible pour pouvoir vous faire avancer dans votre projet et que vous puissiez derrière créer votre activité. Pas de questions sur ça? Non, pour l'instant. Pas pour l'instant.
Super. Quelques liens utiles, du coup, on va arriver à la fin de cette session de webinaire du matin. C'est un peu les liens qu'on a eu tout à l'heure. Si Alexandra, je ne sais pas si elle a la possibilité de faire, de les mettre dans le chat, les liens qui peuvent vous permettre un peu de retrouver toutes les infos qu'on a brassées un peu ce matin. Il y avait beaucoup d'informations et c'était assez dense. C'est toujours difficile de pouvoir répondre à tout le monde. Ne pas hésiter à aller voir votre conseiller Pôle emploi, l'ADI ou d'autres partenaires de la Nouvelle-Aquitaine qui veulent créer leur activité. On a les portes ouvertes la semaine prochaine, le 7, et vous retrouverez toutes les infos. On se penchera avec vous sur votre dossier. On fera, entre guillemets, du cas par cas. On prendra le temps. Et puis, on vous aidera à avancer. En tout cas, c'est l'objectif primordial. Est-ce que tu as des choses à ajouter, Christophe? Non, et Romain, bravo, c'est immense, hein, ces sources. C'est immense. Alexandra est en train de reprendre dans le chat les différents éléments. Bravo, hein, tout simplement. Merci Énormément de beaucoup. dispositifs. Bravo, tout simplement. Merci beaucoup. On est là pour vous écouter, hein. On est vraiment là pour vous écouter. On est là pour vous conseiller, Christophe, comme moi, comme les autres partenaires, l'URSSAF. Et on est, voilà, toute problématique a une solution, il faut se dire aussi. Il faut essayer d'appréhender un maximum ce qu'on peut appréhender. Après, on peut pas tout dénouer. Et puis, c'est au fil du temps qu'on va essayer de vous accompagner au mieux, au plus juste. Et puis, souvenez-vous juste de quelque chose, c'est que votre réussite, c'est aussi la nôtre, parce que c'est une fierté de voir quand on a des portées de créateurs ou des articles dans les journaux locaux ou autres, qu'on sait que les créateurs voilà, ont lancé leur activité. C'est plaisant, c'est agréable. Et puis, nous, ça nous fait très plaisir d'aller les voir régulièrement pour voir les nouveautés, voir si ça fonctionne, etc. Donc, c'est vraiment une fierté et on est très content. Et je suis parfaitement d'accord avec toi, Romain. Vraiment, bravo. Merci beaucoup, Christophe. Bravo. Et surtout, merci à Alexandra qui, tout au long de cette 1 heure et demie, hein, a pu relayer l'ensemble des informations. Elle nous entend et Dieu sait si dans ces webinaires, elle nous est précieuse, Romain, bien évidemment. Effectivement, c'est notre petite pépite. Nous allons conclure. Romain, je te laisse conclure. Moi, je vais en tout cas saluer les 170 personnes qui restent encore et qui vont petit Exactement, à aussi. petit se retirer. J'ai encore une fois, Romain, été très heureux. Merci beaucoup. Euh, Moi aussi, vraiment, Christophe. vraiment de cette matinée. On aura l'occasion de se le redire dans les débriefs. Merci à vous tous, chers auditeurs. Vraiment, l'ensemble de ces informations sont nombreuses. Lisez-la, documentez-vous, saisissez-vous de tout ça et surtout, comme je l'ai dit hier dans une autre animation, soyez accompagnés, ne restez jamais seuls. Effectivement. Soyez accompagnés. Exact, je Romain, suis tout à je fait te d'accord laisse avec toi. conclure, s'il te L'accompagnement, plaît. c'est le clé. La clé, l'accompagnement, ne vous isolez pas, ne restez pas seul. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On remercie tout le monde pour ce webinaire, cette participation active, tous ces échanges nourris. On peut continuer à échanger, c'est ce qu'on disait en agence Pôle emploi, quel que soit l'interlocuteur. Voilà, on est là pour vous et ne soyez pas isolés. Entourez-vous, soyons positifs et tout va bien se passer. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Merci beaucoup, à Bravo bientôt, à très bonne tous. journée à vous. Longue Merci, vie au à vos revoir. projets. Au revoir.